Alors, coucou à tous, premier run du Veltz 10428 version 2, 100% crawling. Donc vous voyez, là on arrive vraiment à avoir une maîtrise assez forte des faibles vitesses. Allez, forcément, en réduisant par deux fois le ratio, normalement on arrive plutôt à se débrouiller. Hein? Normalement, il n'y a pas de problème. Hein. Hop. Ouais, descends. Attends. Ah. Non, je vais te le mettre. Ne bouge pas. Non. Ah bah attends, tu m'as sou... Ah, c'est bon. Merci, Doudou. Descente tranquille. Donc là, on voit bien que on est 100%. Non, on va glisser. Allez, on y va. On va essayer vraiment d'y aller sans, en genre crawling, tu vois. Faire ça lentement. Il y a un truc qu'il faut que je règle, c'est la flexion. Attends, je vais t'aider. Ce truc aussi qui est un peu... Non, c'est bon. Bouge pas. Mais non, mais c'est bon, Soujou. Ne bouge pas. Pourquoi? Non, mais c'est bon, Loudou. Tu vas aller dedans. Ouais, après. J'ai quand même l'impression que devant... Ou alors, quoi que ça travaille quand même. T'as quand même l'impression que tu marches ou pas? Je peux aller dedans. Tu vois, là, on est vraiment... On voit qu'on est bien soudé devant, tu vois, parce que du coup les trois poussent. Tu parles à qui là? Bah, comme à chaque fois, hein, personne. Hein. Vraiment, enfin, en tout cas pour l'aspect crawling, j'y vais. On est quand même beaucoup plus dans la maîtrise que avec le 2000 kV et le grand pignon. Ça, il n'y a vraiment aucun problème. Alors, ce qui est. Alors, ça, j'ai expérimenté par contre. Quand on soude, quand on a les 4 divs bloqués, ben là, faut pas coincer une roue parce que sinon, tu pètes quelque chose, quoi. Donc là, on est quand même sur un terrain relativement gras. Et là, c'est vrai que au niveau franchissement, il n'y a pas grand chose qui lui fait peur, j'ai l'impression. La dernière fois, vous vous rappelez, je crois qu'on n'était pas passé ici. Ouais. Là, c'est facile. Ouais. Flexion! T'as vu ça? Non, en fait, je voulais peut-être voir pour. Ah, dommage! Je mets. Voilà. Attends, on va le refaire. Hop. On va le refaire. Oula. Il faut que j'enlève en couche, je découpe encore un peu la carreau derrière. Mais papa, regarde ce que tu arrives à faire. Voilà. Regarde. Papa, regarde. Papa. Ouais, il y a encore une chose qu'il faut que je fasse. Je vais vous montrer là, que là. J'ai fait la vidéo de roulage avant la vidéo de présentation. Je pense que je vais le modifier tout de suite. Oula! Maman va être contente. Regarde. Et ça bosse hein, quand même les mecs, non? Regarde. Moi je pense qu'on est aussi souple qu'un brushed. Largement. Attends, on va essayer de passer le... Le pont. Oui. Parce qu'en fait, le cerveau. Ah bah non, c'est bon. Ça compte. Le cerveau est tellement puissant. C'est qu'à 20 kg. Mais.
Wouah, ça c'est des chasseurs. Et tu me peur? Bah si tu te prends une dans la tête, je pense que ça peut faire peur. La direction, elle est encore un peu floue, c'est sûr. On n'est pas sur quelque chose de très très ultra précis. Alors, oulala, ça va être chaud. Alors, je vais t'aider. Oui, donc je disais, parce que je m'échappe. Quand tu bloques les quatre là, faut faire gaffe de pas bloquer une roue. Il n'y a rien qui peut, du coup, où l'énergie puisse te dissiper. Là, du coup, tu pètes un truc si tu continues. Alors, c'est parti. Fais attention, on marche. Ouais. Donc tu vois, il n'y a plus de cogging à cette vitesse-là. On est vraiment hyper, hyper, hyper smooth à base de vitesse. Attends, t'en as une décalée. Poussée, décalée. Ah, faut la remettre. Tu la prends par le dessous du... voilà. Allez. Oh là, voilà, je sais pas si j'y arriverai. Ouais. T'es mis dans un parc des mains. Allez. Ah bon, on va filer en seconde sur le pont de la mort là-bas. Et là, on se remet en première. T'es dans une mauvaise direction. Non, c'est bon, c'est bon. Alors. Non, non, ah non, non, c'est fragile, chouchou. Bon, c'est un peu facile, hein, le mec. Et tu peux laisser. Oh, bam. Les descentes, c'est toujours plus compliqué, hein. Ouais. Allez, viens, on va essayer de monter. Là-haut. Non. Ouais. Ok. On va pas casser tout, hein. Ben non. C'est quoi ce truc? C'est des roues. Des roues de qui? Des roues de voiture. Faut faire un regard. Ah oui, c'est pour que tu montes dessus. Ouais, par contre tu peux t'enlever. Merci, okay. Doudou. Doudou. Je te rappelle, je suis pas un doudou. Ah bah là avec les pneus un peu. Alors, on va peut-être les faire l'autre côté. Parce qu'avec les. Ouais. Avec les rondins de bois ça glisse. Je pense que ça passerait mieux de l'autre côté. Ouais. Ouais, voilà. Attention, l'étape ultime. Colossal Warfare. Voilà, c'est là peut-être, tu vois. Où. Je pense qu'on va essayer de voir si on n'a pas des ressorts un tout petit peu plus mous. Ouais, bah parce qu'effectivement, le train arrière bosse beaucoup, le train devant, j'ai l'impression qu'il bloque un peu le tout. Ouais, mais c'est surtout ces trônes qui sont mal placés. Allez. C'est tout ça. Voilà. Ah, maintenant. Maintenant, on Hop. Va faire celui-là. Ouais. Une seconde. Et toc! C'est quoi? Après, tu dois faire un vol plané après. Vol plané maintenant! Poum! Ha ha! Allez, on se remet en première. En arrière! Ouais. Bon, là, après, normalement. Hein. Maintenant, la deuxième attraction. On va là, c'est un peu difficile. Je peux marcher dessus? Non. C'est un peu difficile parce qu'on regarde, c'est hop. Après ton or. Ah! Spring. Alors, c'est dur. Ah, faut que je le colle sur le récepteur. Ah.
Arrête de sauter. J'ai pas confiance. Ouais. Voilà, ça fait une belle montée quand même. Ah, je vais te faire monter. Ah, allez, hein, ça monte. Ouais, par contre, là, ça, ça glisse, oui, ça surtout. Par contre, au début, c'est difficile. Merci de, merci de passer de l'autre côté. Ouais, donc faites gaffe. Dès que vous avez une roue qui est bloquée sous un truc, sous un rocher, sous une terrasse, enfin, quand vous n'avez pas de diff, ah oui. Vous n'avez pas de diff en fait, hein. Tout simplement, qu'il soit bloqué ou pas de diff, attends, pareil. Ah. Et bien, forcez pas, parce que sinon, vous allez péter un truc. Tu vois, c'est là ce que je disais. Le pont arrière se déforme très très et suit beaucoup, alors que le train avant, ah, il suit quand même. Ouais, il suit quand même. Ouais, peut-être un chouille plus tendre. Attends, j'ai fini le pas. Ah, allez, allez, allez. Oh, allez, ça fait du mauvais sens. Allez, on va tester la montée infernale ici. Alors, tout doux. Après, on le fera. Ouais. Non, attends, non, Simon, laisse, s'il te plaît. Ah oui, bah là, ça va bien. Merci. Alors, on va essayer de le faire en version. C'est vrai, moi aussi. Insister au truc. J'arrive pas. Version à fond. Je vais te faire grimper. J'arrive pas. Attends. Enlève-toi! Je laisse du mal, attends! Allez! Ouh. Oh, je l'aime ce truc! Là, on s'attache à des modèles, et puis c'est peut-être une petite merdouille pour la plupart d'entre vous, mais c'est des modèles où tu t'attaches et t'as envie, donc ça. Descends! Ouais, je trouve que ouais, le train avant mériterait encore des suspensions plus souples pour les voir un peu plus travailler. Ça suffit, mais la caisse, j'ai l'impression que la caisse bouge beaucoup de l'arrière. Ah, l'avant, c'est pas. C'est pas si. Oula. Attends, touche pas, Simon. Touche pas. Ah bah là, tu peux toucher. La main droite. Voilà. C'est bon. Oh, ouais, c'est. Descendre, moi je descends, j'ai jamais été très très bon. À l'attaque! Moi j'ai une mieux descente! Moi j'ai une meilleure descente! Ah, tu veux y aller là? Tu veux que je t'aide? Merci! Voilà, les pneus sont un peu. Les pneus sont pleins de gadou. C'est bon, ouais, c'est bon. On s'en est sorti quand même. Hein. C'est bon pour le bidon, oui. Ouais. Ah, patate, avance. Arrête. Patate toi-même. Ah, ah. Brum, boum. T'as bon, l'avantage, c'est que tu ne pètes pas la carreau. Ouais. Allez, on retourne. Ah. Attends, je vais t'aider pour le tasser. Non, c'est bon. Je pense que ça devrait aller. En fait, non. Attends. Grosse patate. Attends, je passe par ailleurs. C'est bon Simon, merci. Parce qu'ils vont dire ouais après t'as pas montré la capacité du véhicule. Bon.
Bah, là, je pense qu'on est très, on est bien. Franchement, pour une petite bête comme ça, même le... Le Red 4 Racing que j'avais, je sais plus comment il s'appelait. Ta roue. Ah ouais, je suis posé là. Toucher. Ah, c'est bon. Non. Si, si, t'inquiète. Ah. Voilà. Oui. Oh. Le Red 4 Racing que j'avais, Genèse, je sais plus comment il s'appelait. Bref, il passait pas comme ça. Pourtant, elle avait pont portique, tout ce qu'il fallait. Moi aussi, je veux participer. Et là, encore une fois, on n'est pas sur un obi-wan axe. Hein. Pram, voilà. La mouche. Allez, on recommence. Puis après, je crois qu'on aura fait le tour du circuit. Alors, la dernière fois, on était bloqué aussi. Attends, maintenant, j'essaye. Alors, on va la faire brutale. Je peux t'aider. Tu mérites d'être patate. Doucement. Attends. Ah, c'est bon, je suis passé. Ah bah voilà, je t'ai passé sans toi, et toc. Ça faut quand même m'aider. Laisse. Ah ouais. Laisse. Voilà. C'est pour te mettre droit. T'as pas compris? Patapoute. Chut. Patapoute. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est beau d'avoir 6 ans. On va passer par le chemin un peu plus simple. Au moins, nous, on a des mains. Oh, il n'y a pas vu, il y a peut-être un. Bon, on est dedans. Un peu de dos. Bon, papa. On va juste faire la partie là. Bah tiens, avec ça on va pas aller loin sur le vrai terrain. Serouette, descends. Descends, je te dis. Aïe aïe aïe. Attends, allez. Voilà. Alors on va juste faire un petit essai, ça fait une petite vingtaine de minutes. Je sais pas, qu'on filme, je pense. Attends, que 2 minutes. Wow, encore les chasseurs. Bon, le tout est froid. Il y a juste le cerveau qui bosse bien. Tu vois, alors je voulais vous montrer. Oh, ça coule ce soir, mais est-ce que... Je vais vous montrer. En fait, voilà. Je vais mettre une petite barre. Vous voyez, le cerveau bouge là. Donc on perd. Tout ceci bouge en fait. Donc je vais essayer de mettre une barre en alu ici qui va être reliée là au pont ici qui normalement devrait pouvoir solidariser ça. Papa. Donc normalement, on se retrouve avec cette modification dans la présentation qui était avant ou je le fais après. Peut-être que je le fais maintenant. Oh, on verra. Allez, c'est la surprise. En tout cas, bon. Est-ce que, à tout à l'heure.